j'aime bien l'imprévu. J'aime bien quand les choses sont pas dans l'ordre. Il n'y a pas de routine, non. Allô? Et tu m'as dit un accident, comment ça, un accident? Ils sont rentrés dans la clôture d'un particulier. D'accord. L'assistance nous prévient que le véhicule a un accident. Il est rentré dans une clôture d'une propriété, d'une maison. C'est plutôt quelque chose de spectaculaire qu'on ne voit pas tous les jours. En partant, je me dis que oui, l'intervention elle va être un peu plus longue qu'un simple remorquage. J'ai retiré deux fois sur le FAMAS, moi je finissais dans le garage. Je pensais que ce serait une intervention un peu plus spectaculaire, sortir les treuils, mais là non, en fait, le chauffeur avait reculé de lui-même, avait sorti le véhicule de lui-même. Donc au final, moi j'avais juste besoin de le remorquer. Le véhicule venait de finir sa collecte quasiment, donc était chargé au maximum de ses capacités. J'aime bien faire des photos parce que déjà, des fois, c'est pour se protéger soi-même. Des fois, le chauffeur ou le client peut dire qu'on a abîmé le véhicule. Au final, ça se transforme en photo souvenir. C'est pour montrer aux collègues, pour faire un album photo de tous les dépannages qu'on a pu rencontrer au cours de l'année. J'ai découvert TikTok grâce aux enfants. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre sur TikTok, je vais regarder, je vais faire des petites vidéos courtes et voilà. Celle-là a eu 370 000 vues. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Il y a plein de situations, il y a les conditions météo, il y a la nuit, le jour, puis c'est pareil, les véhicules, c'est jamais les mêmes à remorquer ou qui sont accidentés. Je m'épanouis dans mon métier, je mène des enquêtes en recherche les pannes, je fais plein de choses variées et c'est ça qui me plaît dans mon métier.